Bonjour à toutes et tous. Bienvenue à cette séance de la rétrospective Frédéric Weismann, Nos Humanités. C'est la troisième projection de Sinai Film Mission et ça fait, je suis très heureux de voir qu'on a une belle salle parce que c'est aussi un film un peu caché, enfin pas caché mais assez confidentiel et méconnu de Frédéric Weismann et avec Nicolas Sada. On n'est pas tout à fait d'accord pour dire que ce sera un Weismann mineur, donc il va élargir son audience grâce à la rétrospective. J'attire votre attention, c'est un grand soir pour nous, parce que donc on rend public cette information. Je sais que vous inquiétez beaucoup pour qu'est-ce qu'on va devenir quand les salles du Centre Pompidou seront fermées. Ça sera le cas pour nous le 20 décembre. En tout cas le 21 décembre. Notre dernière projection ici sera le 20 décembre au Centre Pompidou et dans le cadre des travaux, etc. Je ne vous fais pas tout le résumé, mais eh bien, nous allons déménager, nous déménageons au Forum des Images pour les séances en soirée. Oui, en soirée, enfin un week-end à 18h, quoi, oui. En fin d'après-midi, alors. Donc, au Forum des Images, où nous projetterons le mercredi, le samedi avec deux séances, et le dimanche, deux séances également. Et puis, en journée, au Centre Wallonie-Bruxelles, qui est vraiment là, pour le coup, juste de l'autre côté de la piazza, qui est le centre culturel avec une très chouette salle de cinéma. Donc, nous déménageons, mais pas très loin, et puis surtout, on continue à montrer des films. Et on vous invite bien sûr à déménager avec nous. Voilà, c'était un moment important, bien sûr. Donc, on va bien sûr laisser cette information et utiliser tous nos canaux pour la rendre la plus claire et la plus diffusée. Voilà. Je remercie beaucoup Nicolas Sada, que j'ai déjà présenté, mais que je vous demande d'accueillir maintenant. Que je remercie beaucoup parce qu'il a, voilà, il adore le cinéma de Fred Weismann, et il adore Fred Weismann aussi, dont il est proche, et c'est un des intervenants qui a dit, qui n'a même pas réfléchi pour dire je viens une fois, et donc, au moins deux fois, et puis certainement à l'automne, on retrouvera Nicolas aussi pour une autre séance. Et donc Nicolas est cinéaste, il a réalisé notamment Espion, Taj Mahal, il a aussi fait de Frédéric Weismann un acteur récurrent. Maintenant, Frédéric Weismann a une carrière d'acteur au cinéma et Nicolas Sada est son principal pourvoyeur de rôle. Hein, trois à ce jour. Voilà. Bon, Nicolas, je t'invite à nous rejoindre. Et donc, Arnaud reste avec moi, comme ça on présente à deux. Voilà. Et merci, parce que c'est vrai que Sinai Film Mission, autant pour présenter, je ne sais pas, un film comme Law and Order, il y a beaucoup de gens qui le connaissent, mais celui-ci, un peu moins. Donc j'étais très content que tu choisisses aussi ce film, Sinai Film Mission. J'ai choisi pour plein de raisons. D'abord, comme vous le savez sans doute, moi j'adore le cinéma de genre, j'adore le cinéma fantastique, j'adore John Carpenter, j'adore tout ce qui est aux frontières de l'étrange dans le cinéma. Et je trouve que c'est un des films les plus étranges de Fred Weismann. Je trouve que c'est un film qui est absolument inclassable. Alors, on peut le regarder au premier degré comme un document. Voilà, on est en 78, il y a une force d'interposition américaine et aussi une force d'interposition de l'ONU qui vérifie à ce qu'il n'y ait pas de choc et de contact direct entre l'Égypte et Israël le long d'une zone qui a été définie par tous les intervenants. Donc là, c'est la partie géopolitique du film. Mais en fait, cette partie géopolitique, elle est posée, mais on sent bien très vite que ce n'est pas du tout un film sur la géopolitique.
C'est un film sur les hommes, comme tous les films de Wiseman. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai eu l'autre jour un entretien avec lui en anglais où il disait « Tout le monde dit que je filme des institutions, je ne sais pas ce que ça veut dire parce que c'est tellement vague une institution que tout est institution, rien n'est institution. » Et je suis assez d'accord. Et cette idée du vague, du non-défini, c'est le cœur du film. Et donc, il y a cette zone qui est une abstraction. C'est quoi une frontière, finalement ? Qu'est-ce qui définit une frontière ? Il y a ces personnages qui en discutent, qui la surveillent et qui en même temps se posent la question de pourquoi ils sont là. Donc il y a un côté en attendant Godot, à la fin de Welfare, le personnage dit on me demande d'attendre qui Godot ? Là vraiment ils attendent Godot. Non, Godot c'est quoi ? On ne sait pas. Il y a quelque chose qu'on attend et on ne sait pas ce que c'est. Et au-delà de ça, c'est un film qui est une très grande invention plastique parce qu'il y a à la fois des paysages que Fred a rarement filmés, c'est-à-dire des paysages désertiques. Il y a une espèce d'immensité comme ça, des montagnes, des déserts qui entourent cette base. Il y a cette base militaire. Moi, je ne peux pas m'empêcher de penser au film de Carpenter, The Thing, que Carpenter tourne 4 ans plus tard. Et ce côté, cette claustration de ces gens qui essaient de reproduire à l'intérieur d'un lieu qui est complètement perdu des us et des coutumes américaines. Donc, ça passe par des fêtes, par de la nourriture, par des chansons. Mais au-delà de ça, je crois vraiment qu'il y a un sujet qui parcourt tout le cinéma de Fred Wiseman, c'est la folie. Et bon, c'est le sujet de son premier film. Et pendant très longtemps, je me suis dit que chez Wiseman, il y avait cette idée que l'Amérique était une espèce d'asile de fous à ciel ouvert. Et quand on voit un film comme celui-là, on se dit « Ah non, en fait, le monde est un asile de fous à ciel ouvert. » C'est ce que raconte le film aussi. Et de ce point de vue-là, c'est un film absolument... passionnant parce qu'il y a la veine comique de Frey qui dit souvent que son cinéma est à la fois traversé par le romanesque, par le théâtre, par la musique, mais aussi par la comédie. Et je pense que c'est vraiment un film qui est proche de ce que Fred Wiseman appelle ses comédies. Et en même temps, c'est un film très inquiétant, très glaçant, parce qu'il montre finalement des fonctionnements, des procédures, des échanges qui nous paraissent extrêmement abstraits, alors que quand même les enjeux, c'est la paix dans une région dont on sait aujourd'hui qu'elle est quand même assez agitée par beaucoup de choses très très contraires. Et là, c'est Fred Wiseman qui montre comment on gère ou pas un territoire, et de quoi on parle, et avec qui on parle. Donc ça, de ce point de vue-là, le film est, je trouve, absolument passionnant. Et il faut savoir aussi que Fred Wiseman, il a une méthode de travail qui est vraiment une méthode d'écrivain, c'est-à-dire qui chapitre les choses. Donc il tourne énormément de matériel et après, selon ce qu'il a, il dit bon, là c'est la joie, là c'est la tristesse, ça c'est la musique, ça c'est la fête, ça c'est l'attente, ça c'est la peur, ça c'est l'activité physique. Donc il construit des blocs et pas forcément dans un sens qui est chronologique, mais dans un sens qui est éditorial, chapitré et littéraire. Et là, je pense, vu le matériau, qu'il a dû faire un travail considérable par rapport à d'autres films où le sujet est plus évident, où le sujet saute plus facilement aux yeux. Là, le sujet n'a pas dû lui sauter aux yeux tout de suite. Il s'est retrouvé, à mon avis, aussi isolé et perdu que ses personnages. Mais ça produit en même temps des images hallucinantes. Un tapis sur lequel on passe un aspirateur au milieu du désert. Un type obèse qui prend le soleil au milieu de cette base militaire. Enfin, des images qui sont indélébiles et qui aussi reconnectent Fred Wiseman avec une autre tradition visuelle américaine qui est celle du photoreportage, de la street photographie. Moi, je dis toujours que Fred Wiseman, c'est quelqu'un qu'on peut comparer aussi à Robert Frank, à Gary Winogrand, à toute cette grande tradition de photographes américains. Surtout Winogrand qui avait le même sens que Wiseman, de ce côté un peu acide, je dirais pas caricatural, mais la manière de dessiner les choses. Wiseman, on peut aussi penser à Jacques Tati ou même à Sempé, quoi. Il y a quelque chose dans sa façon de construire l'espace et de mettre les gens dans l'espace et les distances qu'il prend aussi avec les personnages. Voilà, il y a au milieu du film, je vous dis rien, mais il y a une des scènes d'anthologie de Fred Wiseman et qui implique une Santiago est au milieu de ce film. Donc, je crois que c'est un film qui est mal aimé pour des mauvaises raisons,
Je crois que c'est un film qui n'a pas été assez vu et revu. C'est un film, je ne vous dirais pas que c'est un film qui est, je ne dirais pas que c'est le plus facile dans la filmographie de Fred Wiseman, mais je trouve que c'est un objet complètement fascinant. Et par moments, je vous le dis, hein, on a l'impression de regarder un film de science-fiction. C'est-à-dire qu'on se dit, mais où on est? Et surtout, quand on voit le film, on se dit, alors oui, Fred Wiseman est allé jusque-là. C'est-à-dire qu'il est, il est allé prendre le risque de se perdre dans cet endroit-là pour continuer son travail de cinéaste. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de cinéastes, en activité ou pas d'ailleurs, qui prendraient le pari de se perdre dans un endroit comme la Sinai Field Mission. Donc voilà, j'ai trop parlé évidemment, mais je vous dis à tous bonne projection. Merci beaucoup Nicolas.